Bonjour tout le monde, je suis content pour m'avec vous. Bienvenue sur la chaîne YouTube Sarah Batroni. Si c'est la première fois que vous visitez, bienvenue. Et maintenant, pour interagir ensemble avec moi, maintenant, pour commenter dans la discussion, yo, pour aimer la vidéo, yo, pour share, yo, partager yo, et puis abonner. Et pour même qui déjà abonné, merci. Je tiens à me partager une réflexion que je t'ai fait pendant la semaine passée. C'est sur le contrôle de notre vie. En tant qu'être humain qui est créé à l'image de Dieu, nous avons libre arbitre, nous avons volonté. Et à cause de ça, nous remet en contrôle. Nous remet en contrôle de vie, nous, de situation, yo, de circonstances. Yo, nous remet en contrôle de ça n'a pas mis sous nous, rad n'a pas mis, manger n'a pas mangé. Nous remet en contrôle de carrière, nous, qui ça n'a pas fait, qui ça n'a pas choisi, qui côté nous praler dans la vie, hein, c'est bien. Nous remet en contrôle avec qui est-ce nous pral marier, c'est bien. Mais en réalité, frère, Zamim, nous remet dire que nous pas en contrôle tout bon vrai. C'est l'orgon grippe, c'est l'orgon la fièvre, c'est l'orgon cyclone pour que l'homme pas en contrôle. Celui qui est en charge, celui qui est en contrôle, c'est Dieu, c'est le Créateur, c'est Jésus-Christ de Nazareth qui s'était fait homme et puis qui t'est descendu sous terre, qui t'est vivre tant qu'un homme, qui t'est mouru pour nous, c'est lui-même qui est en charge. Pendant que m'a médité sur la passion, m'a lu le récit de la passion du Christ, moi rencontré un monde qui en charge, moi rencontré un Jésus qui en contrôle, moi rencontré un nèg qui calme et serein, même en face de la mort, il était calme parce qu'il était en charge, il connaît ça le faire. Qui t'aime dit à partir du moment dans Gethsemane quand elle dit Père, que non pas ma volonté mais que ta volonté se fasse. Jésus-Christ est paré pour l'amour que tu as rencontré. Et dans le jardin, là où il arrêté, dans Jean 18, verset 4, c'est lui-même qui fait, qui, par sa volonté, lui propose, monsieur, il demande, qui moun n'a cherché, qui cherchez-vous dans verset 4? Il dit, qui cherchez-vous? Il dit, Jésus de Nazareth, il dit, c'est moi. Il est en contrôle. Et l'œil au menel devant Anne, Anne a questionné sur ses disciples, sur sa doctrine. Nous rencontrons avec Jésus qui dit que, je ne parle pas en secret dans Jean 18, versets 19 et 20. Il dit, je n'ai jamais parlé en secret. D'ailleurs, tout enseignement m'a baillé chaque jour, c'est dans le temple, c'est dans la synagogue. S'ouvre souvlez qu'on est ça, m'a pensé, demande tout le monde qui t'attendait mieux, demande foule, demande moun te guéri, le savoir qu'on est qui doctrine, moi. Li en charge. Le rivé devant Pilate. Pilate a dit que m'a un pouvoir pour me laguer, m'a un pouvoir pour me kembe, m'a un pouvoir pour me crucifier. Jésus-Christ campé en contrôle. Li dit que ou pas t'a gan ken pouvoir sous moi si cela ne t'a pas été donné du ciel. Parce que royaume moi pas de ce monde. Mon royaume n'est pas de ce monde. Mais si mon royaume était de ce monde, mes serviteurs auraient combattu pour moi. Mais maintenant, mon royaume n'est pas de ce monde. So Pilate ou pas en contrôle. I am in charge here. I just love that guy. I love Jesus. Le monter sous quoi, Kounye, c'est ce Jésus. Moi, la divinité de Jésus et moi, l'humanité de Jésus. Moi, la dualité de la nature de Jésus. C'était l'homme. L'homme qui souffrait, qui disait, pardonne-leur, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font dans Luc 23, verset 34. Malgré le tap souffri, malgré le tap moquil, malgré le te flagellil, malgré le raché babli, Jésus-Christ, homme, a eu le courage d'intercéder et de dire, Père, pardonne-leur, ils ne savent ce qu'ils font. Par contre, c'était Dieu qui avait dit au brigand, aujourd'hui même, tu seras avec moi dans le paradis. Parce que pour entrer dans le paradis, il faut pardonner. Et seul Dieu a le pouvoir de pardonner. Donc Jésus, Dieu, avait pardonné le brigand. Mais c'est Jésus, homme, qui avait soif. Parce que depuis à soyo arrêté, l'a passé misère, l'a perdu de l'eau, l'a déshydraté, l'a fait route calvaire, l'a tombé en bas croix, l'a finalement crucifié. Depuis la troisième heure du jour jusqu'à la neuvième heure, de 9 h du matin jusqu'à 3 h de l'après-midi, l'a pral mourir, il sentit soif, il dit j'ai soif, c'était l'homme. C'était l'homme qui avait soif auprès près du puits de Jacob. C'était l'homme qui était fatigué et qui avait soif. C'était l'homme qui dormait à la poupe. C'était l'homme maintenant qui était sous quoi et qui dit pardonnez. Jésus-Christ était en contrôle. L'heure arrivée pour le pral mourir, il dit it is finished.
I have accomplished what I was supposed to do. It is finished. Et dans Luc 23, verset 46, il dit, Père, je remets mon esprit entre tes mains. Jésus, tu es en contrôle. Il dit dans la parole, personne ne m'ôte ma vie. Je la donne moi-même. J'ai le pouvoir de la donner et j'ai le pouvoir de la reprendre. Tel est l'ordre que j'ai reçu de mon Père. Donc Jésus était en contrôle. Il remet l'esprit à papa et puis il expire. Zamim qui t'aime dire, remet Jésus contrôle la vie. Bal volant la vie. Pas comprendre ou en charge, tout bon vrai ou pas en charge. C'est Dieu qui est en charge. D'ailleurs, il prouve ça à la croix. Depuis l'œil sorti dans Gethsemane jusqu'à ce que le mouri li en contrôle. C'est lui qui en charge. J'ai moqué, il a dit il descend quoi. Il pas occupé parce que il te gon mission à accomplir. Zanmim, quel que soit ça ou traverser kounya, m'a pas encouragé ou remettre Jésus, ba Jésus contrôle la vie ou. Il est capable, il ca diriger ou, il ca guider ou, l'a mener à bon port, l'a mener à destination pour capable arriver où la gloire de Dieu. An nou baisse tête nous avec moi. Seigneur nous bénis, nous exaltons, nous salmodions, nous louons pour ce sacrifice ultime de la croix. Seigneur, aidez-nous pour nous déposer tout fardeau à tes pieds, ô Dieu, pour capable gain contrôle de la vie nous tout bon vrai, pour nous capable river la gloire de Dieu. Seigneur, nous demandons pour accompagner nous pendant que nous prenons célébrer la Pâque, pas quitter nous kembe, pas quitter nous gain aucun compartiment dans la vie nous qui pas remettre à nous-mêmes, mais fait que nous bord toute bagaille afin que nous capable voir gloire avec nous comme ça au nom de Jésus. Amen. Zanmim, remet vidéo ça, partagez-le et abonnez. À bientôt. Sarah Batrouni. Bon Dieu bénisse.